Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo comme vous pouvez le constater va tourner autour de la statue de chez Sideshow de God of War. Sideshow Collectible s'est donc associé avec PlayStation et avec Santa Monica pour représenter une statue du dernier jeu sorti l'année dernière, une pure merveille, un jeu que j'ai sûr kiffé de A à Z, une magnifique histoire entre un père et un fils, quelque chose de magnifique. Et donc euh, Sideshow nous a concocté une statue qui représente donc God of War avec donc notre ami Kratos et Atreus. Au niveau du visuel, ils se sont pas foulés, il faut être honnête, il hein, y a vraiment quelque chose de hyper simple. On a le logo PlayStation, puisque forcément c'est sur cette plateforme que tournait le jeu. Le logo, of War, le logo God of War du jeu, pardon, euh, Collectible Statue, et Santa Monica Studio, qui est donc le studio de production du jeu. On n'a pas de, vraiment de logo Sideshow sur la boîte, c'est par contre eux qui ont quand même euh, produit donc cette statue, c'est écrit sur le carton brun, ça peut être écrit en dessous du socle, on verra ça ensemble. Sur l'arrière, on a donc euh, un... Côté noir, strictement aucun visuel. L'arrière, strictement aucun visuel. PlayStation sur le bas et de nouveau rien. Sur le dessus, nous avons PlayStation et sur le dessous, de nouveau nous avons strictement rien. Donc autant dire qu'au niveau du packaging, ils ne sont pas foulés. On a Side Show nous a toujours fait des belles boîtes, des trucs super jolis. Ici, ben bout de décoffrage. Écoutez, on passe tout de suite ben, au montage de cette statue et à la découverte. A tout de suite. Alors on est parti pour le montage, sachez les amis que j'attends énormément de cette statue, c'est une statue qui était destinée pour ma collection personnelle, malheureusement le temps passant et d'autres achats venant, j'ai dû m'en séparer donc de cette précommande et j'ai donc revendu la statue avant bien qu'elle n'arrive, mais bon c'est pas très très grave en soi, la principale c'est que je vous la fasse découvrir et que je kiffe également la découverte de cette statue. Donc j'attends beaucoup de choses au niveau du paint, au niveau du prototype j'étais un petit peu sceptique lorsque je l'ai commandé et je vous montre ici en photo le prototype parce que Kratos avait un sourcil en mono sourcil. Il avait vraiment ce sourcil énorme euh, qui, qui rejoignait les deux yeux, et c'était la chose qui me choquait énormément. Ils ont eu beaucoup de critiques là-dessus, et je me suis dit qu'à mon avis, Sideshow pour le produit final allait certainement corriger euh, ce défaut. Nous allons découvrir ensemble s'il a été corrigé ou pas. J'en attends également au niveau du paint, avoir vraiment une belle couleur de peau au niveau de, de la peau de Kratos, alors voir le visage d'Atreus qui est joli, et on va voir tout ça ensemble. On est parti, les éléments sont disposés ici par terre, je vais les découvrir en même temps que vous et on va regarder ça ensemble. Les amis, on est parti et pour commencer toujours la base. Alors la base, sur le dessous, on retrouve le logo PlayStation Santa Monica God of War et l'importateur et le fournisseur européen PBM avait reçu une note donc, de Sideshow comme quoi sa distribution à eux ne serait pas numérotée. Alors pourquoi, bonne question, aussi bien sur le carton je n'ai pas de numérotation, aussi bien sur le socle il est mis euh, sample, int, euh, Internal Sample, donc un sample interne. Donc, toute la production PBM est sur euh, cette dénomination d'Internal Sample. Bizarre, c'est pas du recast, c'est pas du produit euh, pirate, mais euh, ça n'a pas été numéroté en tout cas pour l'Europe. Donc, vraiment très très bizarre cette dénomination. Sur le carton également, j'ai carton avec les deux, les deux numéros et il n'y a pas de euh, numérotation. C'est pas très grave en soi, mais c'est juste bizarre. Le socle mais représente donc de la neige, des troncs d'arbres. On a l'énorme tête donc du colosse qui est tombé décapité sur l'arrière. Donc très très jolie base. Au niveau de la base, mis à part quelques petits morceaux de polystyrène qui traînent, je n'ai strictement rien à dire. Les couleurs bleutées du troll sont magnifiques. Les cornes, etc. Tout est vraiment très très joli. La neige est bien gérée. Les troncs d'arbres sont très beaux. Toutes les petites pierres sur le côté avec les runes dessus sont super bien gérées. Donc vraiment la base est très impressionnante et très jolie. Au niveau du format, on est sur du 1 6 donc c'est pas du 1 quart on est sur des figurines qui vont faire 30 cm Kratos peut être 35 puisqu'il est quand même beaucoup plus grand qu'un personnage 30 cm classique. Donc pour la base on a ceci ensuite on est parti nous avons notre ami Kratos alors je le prends et je le découvre en même temps que vous et vous le voyez vous dans la petite partie séparée au niveau du détail, ce que ça nous donne. Alors, au niveau du paint de la peau des couleurs, c'est plutôt bien géré. C'est en résine, donc forcément on n'aura jamais la même qualité que sur du PVC au niveau du paint, mais c'est plutôt beau au niveau du corps. Niveau des vêtements, c'est accurate, ça ressemble, les bottes, etc., la, la peau, les brassards, les doigts, ça a l'air d'être plutôt correctement fait. Les parties rouges. Sont pas top de chez Top. Les parties rouges, il y a des dégradés avec du rouge qui a été peint vraiment bizarrement. Ça, c'est pas top. Je suis pas fan de, de l'inscription qui revient sur son bras au niveau de la couleur rouge utilisée. C'est pas propre. Honnêtement, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas top de chez Top. Alors, au niveau du visage de Kratos. C'est pas, pas top. Le sourcil est corrigé. Donc le sourcil est corrigé, aucun problème là-dessus. Euh, on n'a plus le mono-sourcil qui est attaché. Il est bien séparé, ça, il n'y a pas de problème. Ou déjà, il y a un gros problème, c'est au niveau des yeux. Alors, au niveau des yeux, j'ai un œil qui part vers le haut et j'ai un œil qui est euh, normal. Donc, ça, c'est déjà un gros défaut de paint. Ils ne sont pas fait attention, ils ont foiré un des deux yeux. Moi, j'ai revendu cette statue euh, bien avant de la recevoir, comme je vous l'ai dit. Donc, cet oeil qui part en couille, je ne me permets pas de laisser cet oeil comme ça pour la personne qui a acheté euh, ma statue. Donc, je vais corriger j'ai pour lui faire un oeil bien, donc je vais lui redessiner l'œil pour avoir un oeil équivalent à l'autre, de toute façon il va recevoir la statue bien avant de voir la vidéo, puisque la vidéo sortira la semaine prochaine, donc il aura la surprise de ce verra la vidéo, d'avoir son oeil qui a été corrigé parce que là c'est juste une cata les lignes sur le, sur le crâne rouge elles ben, sont pas droites non plus quoi, c'est à part un petit, peu, un petit peu comme ceci, comme cela donc au niveau du peigne du rouge, je suis pas ultra fan, les vêtements c'est bien dessiné, c'est bien sculpté, mais le paint est léger au niveau des détails également. C'est une statue qu'il va falloir de nouveau voir dans l'ensemble, mais ce n'est pas du très haut de gamme chez Sideshow. Ça reste quelque chose... Comme ils ont l'habitude de faire, mais ils nous ont vraiment habitués à beaucoup mieux que ça. Ce qui me gêne également, c'est un petit peu la jonction que l'on a entre la, la partie donc de, du bas de la toge euh, et la partie ceinture. Il y a une jonction qui fait, à mon avis, l'assemblage des deux parties de la résine. Et ça, c'est une drôle de séparation. À l'arrière, on a la peau qui est plutôt bien sculptée, les, le couteau donc, qui ne s'enlève pas, la, 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 petite, la petite pochette. Et je vois un emplacement où, à mon avis, on va devoir mettre la corne de brume qu'il a euh, sur le côté. Il n'y a pas d'endroit pour mettre la tête décapitée euh, qui porte sur le côté, donc ça n'y est pas non plus, ni d'endroit pour venir mettre la hache derrière, puisque tout est sculpté à l'intérieur. Donc la peau est bien gérée, j'aime bien la couleur au niveau des cendres utilisées, un peu brun comme ça, c'est très joli. Par contre, petit bémol pour la peinture rouge qui n'est pas du high level pour moi, mais de loin, vous allez la regarder à 30 cm, ça fait le job. Allez, je regarde, j'emboîte tout ça. Est-ce que l'emboîtement se fait super bien L'emboîtement se fait bien et la statue est plutôt stable. Nous allons ensuite assembler les autres parties. Alors on vient sur le bras. Le bras est plutôt bien géré également. Donc euh, avec la hache. Là, est en métal, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la partie euh, ici se trouve en métal, donc ça c'est plutôt bien pensé de la part de, de Sideshow. Euh, le bras est bien, on a les empreintes également dans le bras euh, de, ces, de, ces, de ces anciennes chaînes euh, des lames du chaos. Donc ça, très ingénieux également de les avoir imprimées. Ça c'est plutôt joli. Là-dessus, j'ai rien à dire. Alors je regarde au niveau de l'emboîtement. Voilà, c'est aimanté, ça tient. C'est plutôt joli. J'aime bien la pose avec la main et vous allez découvrir la petite pose avec la main. Et je vais me mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse discuter euh, qui protège justement, qui fait l'effet de protection de son fils. J'ai trouvé la pose vraiment très emblématique de la relation qu'il a avec euh, avec Atreus pendant le pendant le, le pendant tout le jeu. Alors Atreus, je le regarde et je vous le fais découvrir aussi. Je retire le polystyrène. Bah, le visage de Atreus est très joli, hein. franchement, aucun, aucun problème dessus. Les yeux sont bien gérés, ils sont bleus comme dans le jeu. On voit les cicatrices sur tout son visage. Ses cheveux sont hyper bien sculptés, un petit peu rasés sur le côté avec une, une demi-brosse sur le dessus. Euh, les vêtements sont beaux, les peaux. Non, Atreus, honnêtement, de vous à moi, c'est une pure réussite. Il est plutôt bien géré, il est plutôt bien peint, vraiment quelque chose de plutôt joli. Voilà, Atreus, rien à dire. Pour le moment, juste ce que j'ai à dire, c'est le paint rouge sur Kratos quand on met son nez dessus. Et les yeux qui sont vraiment trop mal peints. Alors, Atreus, on le plug ici. Ça s'emboîte bien également. Et donc voilà, je vous dis, la protection de son fils avec sa main, je trouve ça super génial et super emblématique. On a ensuite la corne de brume qui va venir s'assembler donc sur l'arrière de Kratos. Donc juste ici. Hop, je cherche le sens. Excusez-moi. Alors, dans quel sens tu t'emboîtes, mon petit coco voilà, la corne s'emboîte, vient s'assembler, donc pas de problème au niveau de la corne, elle s'emboîte également très bien. Dommage qu'on n'ait pas Mimir, hein, qu'on n'ait pas la tête de Mimir à venir accrocher, décapiter. Je trouve que c'était un personnage tout aussi important dans la, dans la, dans la trame de l'histoire, mais malheureusement, Mimir n'y est pas. On a également euh, le carquois de notre ami Atreus à venir lui mettre dans le dos. Très bien réalisé, en espèce de peau, mais en résine forcément, avec toutes les inscriptions dessus les flèches et autres, donc le carquois est plutôt joli. Le carquois donc se met dans le dos de notre petit ami ici, donc hop, hop, il tient, plutôt bien posé, vraiment très très joli. Donc bien appuyé par contre dessus, puisque que sinon l'aimant ne fait pas son effet, donc appuyez bien dessus, sinon il ne tient pas bien. Donc là, je vous conseille de bien appuyer sur le carquois afin qu'il fasse euh, aimant avec le, avec le corps. J'ai fait une petite bêtise par contre, c'est que j'ai mis euh, le carquois et Atreus avant son bras et il faut maintenant glisser le bras d'Atreus. Alors le bras d'Atreus tient son arc à flèche avec un élastique pour la corde, donc très 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 joli également au niveau de la réalisation, rien à dire avec un aimant pour le bras, on va lui placer la flèche tout de suite après. Alors j'assemble ça de mon côté puis je vous montre ce que ça donne. Alors je peux à mon avis l'assembler sans retirer notre ami Atreus, ça ne devrait pas poser de problème, je regarde. S'il faut que je l'enlève ou pas. Alors, il faut que je l'enlève, c'est pas grave. On assemble notre ami, c'est aimanté, ça tient bien. On le repose sur le socle. Parfait. On vient prendre la petite cordelette et on vient lui mettre entre les doigts. Et puis, on a la flèche qui va être le dernier élément à venir lui glisser entre ses doigts, justement, et la poser. Alors, je regarde comment poser ça convenablement, les amis. Hop. On va faire d'un paire entre ses doigts et poser. Et la flèche est bien mise. La statue est assemblée. Hop on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, statue assemblée, alors comme je vous l'ai dit pendant le montage ce n'est pas du grand side show, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qu'on a pu le voir parfois sur certaines statues, euh, mais le travail est tout de même soigné et plutôt correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Dans l'ensemble, la statue est plutôt jolie, vous la voyez tout comme moi au niveau du visuel et au niveau de la, de la représentation Atreus est vraiment super bien géré la base est magnifique, l'espèce de troll avec la tête découpée est super jolie un peu dommage pour le sang qui fait vraiment un petit peu cheap, j'aurais préféré avoir un truc un peu plus gluant, un petit peu plus dégueulasse, euh, mais ça fait le job de toute manière. Le tronc d'arbre est bien représenté au niveau de l'écorce. Kratos dans l'ensemble est plutôt joli. Comme vous pouvez le constater sur le visuel que vous voyez là, j'ai recorrigé donc son œil qui était défectueux. Donc l'œil qui était peint vraiment n'importe comment, avec un œil en haut et un œil droit, j'ai corrigé les deux yeux. Donc maintenant les deux yeux sont nickel. Je pense que la personne qui m'a racheté la statue sera très contente quand elle va voir la vidéo et que sa statue qu'elle avait achetée avait un œil catastrophique et que maintenant c'est résolu. Donc les deux yeux de Kratos sont revenus à la bonne place et on a quelque chose de totalement symétrique maintenant. Maintenant, ce que j'aime énormément dans, dans cette statue, c'est justement tout ce que représente euh, la relation entre Kratos et Atreus dans le dans le jeu. Vous le savez comme moi, il est très froid, il est vraiment très distant par rapport à Atreus pendant tout le jeu. Et fait, au fur et à mesure, il se ramollit, il s'attendrit et il commence vraiment à avoir une relation père-fils que l'on attend depuis le début du jeu. Ici, cette statue représente vraiment cette relation. On a cette froideur de Kratos, tout avec cette main bienveillante qui vient protéger Atreus derrière. Et c'est ce que j'aime vraiment dans cette représentation de cette statue. C'est ce que euh, c'est le, le sentiment qui est vraiment dégagé de cette, de cette représentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est vraiment voilà l'aspect protecteur de Kratos, tout en étant très très distant vis-à-vis d'Atreus. C'est super super joli. Tout s'est bien assemblé. J'ai pas eu vraiment de problème en soi. La statue de derrière ou de devant est vraiment très très bien gérée. Je trouve que c'est quelque chose qui fait plutôt bien le job. Surtout quand je vais vous dire le prix. On en discutera dans la conclusion. Le prix de cette statue était plutôt accessible pour la réalisation et pour le volume qu'elle prenait. On est parti tout de suite les amis pour le visuel à 360 degrés de cette statue en détail. Allez à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce God of War, on Kratos Atreus de chez Sideshow en compagnie de PlayStation. Eh bien, que dire de beau, que dire de mal Je vais tout vous expliquer, mon ressenti. On l'a vu tout au long de la review, je vous expliquais les points positifs, les points négatifs. Pour moi, c'est une belle statue à avoir à une trentaine, quarantaine centimètres de distance. Il ne faut pas forcément regarder de près les détails parce que forcément, il y a des choses qui laissent à désirer. Je vous expliquais au niveau des peintures rouges sur le crâne, sur le dos, etc. et autour du bras et sur le torse. Le reste, pour moi, est plutôt bien géré. Les détails sont au niveau de tout ce qui est bandelettes, au niveau de l'arme, les gravures, c'est en métal au niveau de l'âche. Atreus pour moi est super bien réalisé, j'ai pas vu de défauts notable. Son visage est très bien réalisé, très bien peint, les yeux bleus, ça, à ce niveau-là, pas de problème. La base pour moi est magnifique, l'effet neige est bien représenté, tronc d'arbre, l'espèce de troll décapité est juste mais monstrueux, l'aspect violet de sa peau est hyper bien géré, bon brush, vraiment hyper joli. Il y avait un gros bémol, je vous l'ai dit sur les yeux de euh, de Kratos, que j'ai donc corrigé pour la personne qui a acheté la statue donc maintenant il n'aura plus le souci et à réception il ne se dira pas merde Kratos il est foiré donc, juste ce petit souci là que j'espère n'est pas sur toute la chaîne et que n'est pas sur toute euh, la production de ce Kratos. Ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir. Je n'ai que cet exemplaire où la trouver. Malheureusement, c'est très difficile. Maintenant, elle n'était pas très chère à la précommande, était dans les 350 euros donc c'était pas très cher en préco. Maintenant, à la sortie, si on voit par exemple sur des sites comme La Cité des Nuages, elle est à 550 euros. Ça me semble quand même énorme par rapport au prix qu'elle coûtait. Elle est épuisée un petit peu partout. Il est très difficile. Elle a plus de 600 euros sur eBay. Je vous mettrai dans la description de toute façon sont les liens où vous la procurez si vous la voulez mais par contre ne dépensez pas une fortune c'est une statue qui vaut maximum 400 euros à 400 euros il n'y a pas de problème ça fait le boulot pour l'ensemble au-delà ne dépensez pas plus d'argent ne dépensez pas 500 600 euros pour cette statue donc je vous dis personnellement jusqu'à 400 euros vous faites une bonne affaire plus frais de port forcément hein. mais jusqu'à 400 420 euros vous faites une bonne affaire pour cette statue elle vaut la peine pour l'envergure pour la taille et pour la réalisation au-delà Passez votre chemin, ne mettez pas 600 euros dans cette statue, ça c'est certain. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour celle-ci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut